Salut, 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 c'est Come Get Some et bienvenue sur ce 14e épisode de GTA 3. Épisode 14, donc on se rapproche de la fin les amis, hein. Ça c'est sûr, je vais pas vous le cacher. On se rapproche clairement de la fin. Et comme on se rapproche tellement de la fin, on se rapproche de missions qui nous annoncent la fin et ce sont des missions extrêmement compliquées. Alors, on va faire simple. On va aller voir Azuka puisque c'est la donneuse. Vas-y, dégage avant que je m'énerve. C'est la donneuse de mission. Donc on va aller voir Azuka. Elle va nous donner sa mission. S-A-M. Elle parle de Miguel là. Oh là là, elle est en train de torturer les sadiques. Hey babe. My handyman. Salut ma poule. I was bored, so I came over to keep Azuka company. She's got the makings of a natural, this girl. She's managed to extract this little gem from our guest. There's a plane coming into Francis International in 2 hours' time. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. Collect the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili oil. Elles sont folles. Ce sont des psychopathes. Ok, donc on a 3 minutes 30 pour arriver sur la troisième île. On est censé prendre un bateau. Mais comme la mission, je commence à la connaître, on va tenter un truc. Parce que ce n'est pas la première fois que je refais cette mission. Et oui, mon PC est largement bien bugué. Il s'est arrêté de fonctionner en plein milieu de la mission. C'était génial. Du coup, les petits amis, j'ai pris le véhicule blindé. Pourquoi me direz-vous? Parce qu'il pourrait bien nous servir sur cette mission. Hein. Si j'arrive à accéder, il pourrait nous servir. Pourquoi? Parce que, a priori... on va se faire démonter la gueule comme il faut, mais on a plus de chances de s'en sortir en prenant une voiture. Vous allez voir, vous allez voir. Faut juste arriver à temps, c'est tout. Petit bouchon, vas-y, laisse-moi passer. Après, tu te lèveras si tu veux. De toute façon, je m'en fous. Le but, ça va être de se casser de la zone. Vous allez voir, vous allez voir. Donc déjà, on va commencer. Je sais pas si... Ouais, si je... Non, on verra, on verra. C'est pas le moment. Alors, là, les gars, c'est de la concentration, c'est clair. C'est de la concentration. Un avion qui va décoller. Ah! Vas-y là! Ils sont barrés, je sais pas où ils sont allés. Voilà, donc déjà on va éviter de se prendre des. Tam. Chiant! Ouais, on va se le faire. On va se les faire. Voilà. Évite de m'emmerder, mon gars. On a ramassé. Je vous cache pas qu'en fait on aurait dû mourir si on n'avait pas eu cette voiture là. Donc le but, survivre. Merde, trop tard! Je l'ai eu!
Je l'ai eu. C'était Just de chez Just. Je vais descendre là. Allez, faut que je me casse vite. Vite. Faut tout récupérer là. Il est où ce con d'hélico? Il est là. On va prendre ça, on va en avoir besoin. Et maintenant, les gars, on se barre, on a 5 étoiles. Clairement, ça va être tendu. Alors, il me semble qu'il y a des étoiles qu'on peut s'enlever ici. Mais je sais plus où. Donc ça, c'est chiant. C'est juste qu'il y en a là, mais je sais plus où. Ce qui aurait été bien, c'est de savoir exactement où est-ce qu'on peut se les enlever. Parce que clairement, là, il y en a une là. Ça commence. Oh, les enfoirés. S'ils me renversent la voiture, c'est mort. Non, ça n'est pas eu. Eh merde. Oh, les gars, là. Ah, le FBI, qu'est-ce qu'ils font chier en plus. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, les FBI. Casse-toi! Ah, les bâtards! Les enfoirés! Je sais plus où est-ce qu'il y a les écoles de police. Finir par me faire me renverser ces enculés. Hein. En même temps, c'est ce qu'ils cherchent, hein, faut le dire. Alors là, ça va être long. Parce que clairement, ils sont chiants. Ils m'énervent. Et j'ai quasiment aucune chance de survivre si je sors de la voiture. Hein. Qu'on se le dise, j'ai quasiment aucune chance de survivre. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à la planque à temps, sauf que je ne donne pas cher de ma peau. Voilà, c'est la grosse merde. Allez, on peut y arriver les gars, on peut y arriver. On peut y arriver, on est plus très loin. Il faut absolument choper ces étoiles. On peut le faire. Oui. Je vous ai niqué. Merde, je peux pas y retourner maintenant. J'allais dire j'ai niqué et tout, et ouais, cool. Mais en fait ma gueule, c'est la merde, parce qu'il faut quand même que je revienne de l'autre côté. Bon, j'ai plus d'étoiles. Mais en gros, c'était la technique. Voilà pourquoi il fallait encore une fois conserver la voiture de Ray. Hein, sans quoi c'était baisé, hein, clairement. Donc là, et ben c'est cool, on vient de finir cette... Non, on n'a pas fini cette mission, mais on s'en est sorti. Voilà, je vous l'avais dit, c'était chaud, clairement. J'aimerais bien pouvoir la conserver encore, hein, juste pour le truc de la conserver. Hein, ça me ferait bien chier quand même que de perdre cette voiture, parce que quand même, elle est quand même très utile. Donc on va aller sauvegarder tout ça très vite. Enfin, on va déjà finir la mission, hein, parce qu'on l'a pas terminée là, hein, clairement. On a récupéré les petits paquets, c'est beau, mais c'est pas fini. Hein. Donc, pour ce faire, Staunton, c'est par ici. Et voilà, hein.
Allez. Vas-y, ma gueule, dépêche-toi. Que j'aille sauvegarder. Vite. Surtout, mon PC ne bug pas, s'il te plaît. J'ai pas envie que tu t'arrêtes comme la dernière fois. Surtout que j'ai réussi la mission de justesse. Mais j'ai réussi. Alors, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Fonctionne jusqu'au bout. Va jusqu'au bout des choses. J'aurai ma vengeance sur vous un jour. Tiens. Arrête d'emmerder les Yakuza. Voilà. On y arrive. On va vite apporter ça à qui de droit. La rançon. Ah, oh, c'est Catalina. Miguel est mort. Azuka est mort. Non. Azuka. Non. Comment je peux toucher 45 000 $ alors que tout le monde est mort? Tu m'expliques? Comment c'est possible? Ok les amis, eh bien je crois qu'on arrive à la dernière mission du jeu, hein. Donc tout d'abord on va les sauvegarder, hein, parce que voilà, c'est quand même utile, c'est quand même très utile on va dire. Deuxièmement, on va passer sur Valley Shoreside puisque le C représente Catalina, hein, c'est la donneuse de mission, elle a enlevé Maria, elle a tué. Elle l'a tué, Azuka. Et Miguel est mort, hein. À force de mauvais traitements, ça ne pouvait arriver que comme ça, hein. Il devait mourir. Mais Azuka, putain. Donc bah, on va passer sur la troisième île. On va les sauvegarder là-bas, comme ça, si jamais je foire la mission, et ben voilà. Et oui, c'est vrai, on attaque la dernière mission. The last! The end! The end of the game. Clairement, on n'aura pas tout fait. Hein. Il nous manque des rampages, il nous manque des sauts uniques à faire. Tous les sauts uniques à faire, hein, pour compléter le truc à 100%. Les missions de taxi, j'avais la flemme de faire les 100, surtout que c'est très monotone. Je les ai pas faites. Donc j'ai préféré me concentrer sur les missions, c'est beaucoup plus intéressant, et sur les missions bonus, les missions secondaires, hein, qui peuvent nous apporter quand même quelque chose en plus. Vas-y, je vais tenter un truc là. Vas-y, je vais tenter le truc. Et voilà. J'ai réussi une cascade unique, et en plus j'ai pris un raccourci. Et j'ai pris 5000 boules. Voilà, je parlais de cascade unique, donc j'ai fait celle-là, c'était un peu risqué, parce que si on se foire, on tombe clairement dans la flotte. Chose qui n'est pas très intéressant en soi, hein. Ça veut dire qu'on meurt. Voilà, tout simplement. Donc on va les sauvegarder ici, et on va aller directement voir Catalina, voir ce qu'elle veut. Ah, elle nous demande une rançon, donc on va pas se gêner pour aller la voir. Ok. Donc, on va donc aller sur le C, parce qu'on est des ouf. Catalina nous attend, on va lui faire sa fête. On va la dérouiller. On va la dérouiller bien comme il faut. Pardon. A priori, il faut qu'on lui file du fric aussi. Pas grave, on va le récupérer après, j'en suis certain. On récupère toujours ce qu'on nous doit. Bon, 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 bon. L'échange. Si, si, bueno. Pa' que es idiot. One of these Scarface idiots.
Hey, gringo, regarde ça, il n'a pas d'armes. Et il nous donne du fric. Ah, c'est très bien. On va pouvoir le buter tranquillement. The real question is, did you turn up to rescue Maria or to get me back? Je suis venu pour Maria et pour te buter, well, salope! Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. You have been a busy boy. Eh oui! But you have j'étais learned. Busy pour I'm venir te retrouver et te buter! The idiot. Oh, le ralenti! Vas-y, là! Concentre-toi, je me fais buter, putain de PC! Ok, regarde la technique, mon gars. On a 6 minutes pour aller choper cette connasse. Et pour s'échapper d'ici, ni vu ni connu. Vas-y, ouvre le portail. Merci gros. On s'en fout du truc là. Ok, il y a un hélico, c'est bien. Suis l'hélico pour trouver Catalina. T'inquiète pas. Sauf que les amis, chose dont vous doutez, on a plus d'armes là, hein. Regardez, 36-12, tout ce que j'ai fait. Ah, dégage. Mais non, mais pas maintenant. Le troll ultime! Vas-y, file-moi ta caisse! J'ai pas le temps pour ces conneries! Putain, on a perdu du temps à cause de ces conneries là! Bref, on s'en fout d'aller la chercher maintenant, ce qu'il nous faut c'est des guns, ma gueule! C'est des weapons! Des armes! Tout ce qu'il nous faut! Oh. Eh, mais la gueule de la voiture, quoi! Le machin va se renverser! Allez, vas-y, mets-moi vite toutes les armes que tu peux, là! C'est pas le moment de blaguer! Alors, on va se mettre ça, hein! Et on va vite aller se chercher cette connasse! Sans se prendre l'arbre, c'est mieux! Allez, mais... Oh ! Et pourquoi est-ce qu'il y a du brouillard ? Comme par hasard, il est 21h10, là, on a que ça à faire, de se mettre dans le brouillard. Voilà, déjà, tu te dégages, ma gueule. Ça, voilà. Déjà, on va éviter ce genre de choses. Ce genre de choses qui ferait pas plaisir du tout. Si tu vois ce que je veux dire. Ensuite, comme on a de la ressource, on va se faire ça. Hein, voilà. Maintenant, gros, puisque t'as l'air de vouloir jouer, tu vas jouer avec moi et mon gun. Vas-y, je monte. Ah! Ça m'énerve quand ça fait ça. Du monde. On va se les faire petit à petit, mais on n'a pas énorme de temps là, à cause du temps qu'on a perdu. Allez, grouille. Dépêcher, faut se dépêcher. Ils sont tous morts là-haut, c'est bien. Allez. Ah, on va éviter ça.
Il fallait pas rester à côté, ça c'est sûr. Putain, mais ma souris. Putain, mais ma souris. Putain, mais sérieux, oh. Les mecs meurent jamais, oh. Ok, y'a Maria qui est là. Ok, est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'il en reste? Je voudrais pas me faire buter inutilement, si tu vois ce que je veux dire. Il est là. Bon, et ben, on va le massacrer. Enfin, on va essayer. Allez, reviens là, quoi. On a que 20 unités, hein. Faut pas trop... Voilà, et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Mange-toi ça. Et voilà, boum, dans ta gueule. Boum. Et voilà. End of the game. Ma gueule. Wesh, la famille, quoi. Allez, je vous laisse profiter de la fin du jeu, de l'épilogue, quoi. Because you know, I love you. I really do. Because you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? You know, I forget. But you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out. Better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. I broke a nail and my hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50. Non, il l'a buté. Ok, ça se finit bien, c'est normal. J'espère que je vais pas avoir de droit d'auteur là sur ma vidéo à cause du générique. Mais bon, je vais vous le laisser défiler. Hein. C'est plutôt sympa le petit générique en général dans les GTA 3 hein, et dans les GTA en général. Donc voilà les amis, ça y est, fin du game, fin du jeu, fin de GTA 3 sur ce 14e épisode qui était donc la fin. J'ai galéré, je vous le dis, j'ai galéré. Je suis pas aidé par mon PC, je suis pas aidé par mon matériel, mais putain, qu'est-ce que j'ai pris du plaisir à vous faire ce let's play. Vraiment les gars, je vous remercie, merci pour vos soutiens. Encore une fois, vos commentaires, pouces bleus, pouces verts, tout ça. Ça m'encourage à continuer les vidéos et puis mine de rien, hein, bah... Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je prends énormément de plaisir à en faire. Donc, vu que je viens de terminer ce let's play que j'ai commencé il y a très longtemps déjà. Attends, ils vont nous passer de la musique après là. Je sais pas trop au niveau des droits d'auteur. On verra, on verra. Ça a l'air bon. Hein. Je connais pas la musique. Ça devrait pouvoir se passer. Au pire, j'accélérerai la vidéo. Donc, Ce que je vous disais, du coup, bah, je voulais passer les petits bonjours, hein, premièrement à Nico The Bully, à Sweezy, hein, qui doit peut-être regarder la fin, là, et même qui regarde les épisodes, merci pour ton pouce bleu, mec, ça fait toujours plaisir. Et puis à Viking aussi, hein, qui m'a beaucoup encouragé et qui continue de le faire, donc merci à vous les gars. Merci à ceux qui lâchent un clic à chaque fois, ça fait extrêmement plaisir.
Quant à nous, écoutez, on va se retrouver sur un prochain Let's Play. On a déjà celui de Tony Hawk Pro Skater 3 à terminer. Et puis on verra à quoi on va s'attaquer, hein. Je sais pas trop encore, mais on va trouver, voilà. Il faut un jeu qui passe sur mon PC, c'est la seule chose qui compte finalement, hein. C'est que je me fasse plaisir et que le jeu passe sur le PC. Voilà, que dire de l'histoire, bah écoutez, elle était assez longue, hein. Ça reste un GTA 3, donc pour l'époque, avoir une histoire comme ça, c'était wouh, c'est complètement fou. Bon, on a perdu Azuka, on a perdu Maria, on a perdu toutes les femmes qu'on aimait, Katayna s'est fait buter aussi, bon ça c'est tant mieux, on va à vrai dire. On est ennemis avec la plupart des gens, sauf les Yakuza, tant mieux, hein. Et voilà, que dire de plus, c'était vraiment sympa. Il nous restait encore des choses à faire, je ne ferai pas de hors-série, ou peut-être que j'en ferai un plus tard, on verra. En tout cas, je suis content d'avoir fini le jeu, donc voilà. Écoutez les amis, je vous remercie encore, et puis je vous laisse profiter du générique jusqu'à la fin. En attendant, je vous dis à très très vite, et à ciao, bye. Allez, vas-y, grouille maintenant parce que... Wow. Wow. Mais non. Mais non.